Le blocage de Rafah et la fermeture totale du terminal, c'est un véritable coup de poignard pour les Gazaouis. Ce terminal, c'était le seul passage qui n'était pas directement contrôlé par Israël et c'était le point principal pour l'entrée de l'aide humanitaire. Donc on parle de biens qui sont essentiels à la survie des Gazaouis comme les médicaments, la nourriture, l'eau et le fioul. Hier, l'ONU a averti qu'il ne lui restait plus qu'un jour de réserve de fioul pour faire ses opérations humanitaires dans la bande de Gaza. Alors cette nuit, on a vu des images publiées par Reuters qui montraient une file interminable de camions qui attendaient devant le terminal de Rafah chargé d'aide humanitaire et qui attendaient pour pouvoir entrer. Le terminal de Rafah, c'est aussi le seul point de sortie pour les Gazaouis blessés, malades, les patients qui jusqu'à maintenant pouvaient sortir en Égypte et se faire soigner. Et donc le mois dernier, le journal Middle East Eye estimait que chaque jour, environ 450 Gazaouis réussissaient à fuir les combats à Gaza via ce terminal.